Salut à tous, donc moi c'est Dylan94. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo que je vais vous dire en fait mes amis sur PlayStation et mes abonnés. Déjà j'ai déjà fait une vidéo pour vous dire que j'ai déserté ma chaîne YouTube. Ça c'est vrai. Je l'ai déserté. Je suis pas fier du tout. Mais en fait, j'ai déserté la chaîne parce que en fait, je n'ai plus internet du tout. Donc ça, je crois que je l'ai mis dans une vidéo. Excusez-moi, je cligne des yeux parce que je suis hyper crevé. Et vous voyez, derrière moi, il fait nuit. Il est 23h10. Donc c'était pour vous dire que je vais faire un combat contre Diablo X9, contre sa team, peut-être un jour. C'est prévu samedi. Je sais pas si c'est le vrai Diablo X9 ou si c'est un faux. Enfin, si c'est un faux, je me pardonnerai jamais, mais bon, je fais confiance. Cette vidéo s'adresse aussi à Diablo X9. Je le répète. Diablo X9 va faire un combat avec moi, team contre team. Si tu regardes cette putain de vidéo, s'il te plaît, viens te battre contre moi. Mon ID en ligne, je vais te le dire, c'est Dylan94. Il reste une place d'amis, c'est pour toi, pour qu'on se fight. Il paraît que ta team est plutôt forte. Ok, c'est ce qu'on va voir. Je te dis à la prochaine. J'espère te rencontrer, t'affronter et devenir ton ami. Aïe, aïe, qui doit être Monsieur le V12. À tous tes amis, quoi. Je voudrais être ton ami et je voudrais aussi te dire que franchement, tu fais des vidéos de ouf. Déjà, je fais des putains de vidéos, ça faut dire. Et aussi, je te dis, le premier du classement, ce sera ma team. Ceux qui regardent cette vidéo, vous pouvez aller sur mon site Facebook. Mon nom sur Facebook, c'est Dylan Divry. Vous voyez que l'image, c'est Battlefield 3. Une image de Battlefield 3 comme ça. Vous ajoutez en ami et vous rentrez dans ma team. Donc ma team elle s'appelle Gun et je vais faire des tests pour vous voir et pour voir de quel niveau vous êtes au sniper ou à la mitraillette. C'était Dylan294, je vous dis à plus mes abonnés, à plus mes amis. On se retrouve à la prochaine vidéo. À demain les cocos.